Foot Effet, bonjour. Éric et Olivier. Éric Jalton et Olivier Servat mènent la bataille pour la mairie des Abîmes. Elle se joue sinon dans les sections et le bourg, aussi sur les réseaux sociaux. À ce jeu-là, Olivier Servat est très bon. Vif à la détente, qui n'a pas de scrupule à accuser son adversaire des pires turpitudes. Mais Éric Jalton, s'il est plus poussif au démarrage, a de l'humour, il sourit, mais on sent bien que le matou a des griffes. Guy Losbard porte de moins en moins la chemise sortie du pantalon qui a fait la marque vestimentaire de son prédécesseur Dominique Larifla. On le voit de plus en plus en costume. Quasi présidentiel, un signe de son ambition future. Harry Chalus, pour sa part, c'est jean slim, chemise ample, à chacun son style. Harry Chalus, justement, permettez-moi de vous interpeller pour vous dire que c'est agaçant pour l'entrepreneur de Guadeloupe de participer à un marché public ouvert et de recevoir une réponse ainsi libellée. La région Guadeloupe a déclaré cette consultation sans suite. Du fait des dysfonctionnements sur son profil acheteur, ayant pour conséquence la perturbation de la remise des offres de certains candidats avant la date limite. Allons, Harry Chalus, cessons ces dysfonctionnements. François Ladreseau, Tambouillet devait-il participer à The Voice? C'est la question qui a enflammé la Guadeloupe pendant 3 jours, qui l'enflamme toujours, même si c'est un peu retombé. On a comparé François à Elvis Presley. Bon, finissons avec ce délire. En toute âme et conscience, il a décidé de participer à cette émission. Il n'est pas le porteur sur ses larges épaules de toutes les frustrations culturelles rentrées de la Guadeloupe. Laissons-le vivre sa vie d'artiste complet, d'artiste guadeloupéen, musique et chant. Bravo François. Hélène Polyphonte est maire de Baie-Mahault et elle serait en froid avec Harry Chalus. On s'étonne. Elle lui doit beaucoup, certains diraient elle lui doit tout. À commencer par son siège de maire, abandonné quand M. Chalus a conquis la région. Alors de simples rumeurs, on verra. Bonsoir et à demain.